Bonjour tout le monde. 1er décembre, première propriété que je vais vous présenter dans notre calendrier de l'Avent de l'équipe Tardif. C'est la première propriété, en fait, que j'ai acheté avec mon frère David à Montréal, dans le quartier Villeray. Quand on a acheté ça, c'est assez cocasse. On faisait du jogging un soir. On n'avait aucune idée de ce que c'était l'immobilier. On passait sur cette rue-là dans Villeray, puis on est passé devant l'immeuble, puis on a dit « Hey, pourquoi on n'achète pas une propriété? » On a cogné à la porte parce qu'on ne savait pas comment ça fonctionnait. Il y avait une pancarte d'agent devant la propriété. Le propriétaire nous a répondu, il dit « Écoute, c'est pas comme ça que ça fonctionne, tu dois appeler le courtier. » Mais le courtier était le père du propriétaire, donc on l'a appelé le soir même, il est venu à la maison. On a fait une promesse d'achat, on n'avait pas un sou, on ne savait pas comment on allait l'acheter, mais on savait qu'on allait trouver une solution par rapport à ça. Alors, avant de partir, l'agent m'a dit « Maxime, tu ferais un bon courtier, toi, dans la vie. » Puis bon, c'est resté sur le back burner pendant quelques années, puis finalement, je suis devenu courtier. Mais c'était cette propriété-là, qui est juste au côté de la rue qu'on a acheté mon frère et moi. Celle qui est juste à droite. Triplex. On l'a acheté avec pas un sou. C'est notre père qui nous a passé chacun 10 000 $, moi et mon frère. On avait 2 ans pour lui rembourser. Qui nous a permis d'acheter cette propriété-là. Qu'on a revendue quelques mois plus tard. Parce qu'on n'avait plus d'argent pour la garder. C'est un peu cocasse, hein. On avait beaucoup de dettes d'études à l'époque. Pas beaucoup d'argent. Puis on l'a revendu à profit. Alors c'est ça qui nous a fait réaliser que l'immobilier c'était quelque chose qui était intéressant parce que c'était des biens qui s'appréciaient rapidement dans le temps. Alors ça a été un peu notre coup d'envol pour l'immobilier. Le conseil que j'ai à vous donner par rapport à ça, c'est lancez-vous. Hein? Essayez pas de tout analyser avant de prendre une décision en immobilier. Celle-là, cette propriété-là, on n'a pas réfléchi quand on l'a faite. On a juste sauté sur l'occasion. C'est avéré possiblement une des meilleures décisions de notre vie à mon frère et moi d'acheter cette propriété-là. J'ai payé ça 140 000 à l'époque, début des années 2000. Et présentement, ça en vaut, d'après moi, tout près de 600 000 $, ce petit triplex-là. Alors, c'était notre première journée du calendrier de l'Avent de l'équipe Tardif. Merci et suivez-nous, partagez s'il vous plaît, allez liker notre page Facebook, allez liker notre chaîne YouTube de l'équipe Tardif, les machines, le podcast. Alors, merci énormément et on se voit demain. Bye bye.